Votre ARIA dispose d'une variété d'instruments, de cadrans et de témoins pour vous aider à surveiller l'état de la batterie. La surveillance de ces affichages et l'ajustement de vos techniques de conduite personnalisées permettent de minimiser la consommation d'énergie de votre véhicule. Le groupe d'instruments affiche les témoins principaux rouges et jaunes lorsque des avertissements sont affichés. Ces témoins peuvent s'allumer pour diverses raisons. La couleur du témoin dépend du type de dysfonctionnement détecté. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour de plus amples renseignements. L'indicateur de recharge livrable de la batterie au lithium-ion affiche la charge approximative de la batterie nécessaire pour faire fonctionner le véhicule. Lorsque la charge restante de la batterie est faible, le témoin de faible charge de batterie et le témoin d'avertissement principal s'affichent. Vous devez recharger le véhicule avant que cet indicateur n'atteigne la ligne de fond. L'indicateur du niveau de recharge de la batterie au lithium-ion indique l'autonomie restante des batteries au lithium-ion et leur capacité à stocker de l'énergie. La batterie au lithium-ion, comme toutes les batteries au lithium-ion, perd progressivement de sa capacité avec le temps. Au fur et à mesure que cela se produit, les indicateurs du niveau de recharge de la batterie au lithium-ion seront réduits pour refléter la capacité actuelle de la batterie. Cette indication affiche la distance estimée que votre véhicule peut parcourir avant qu'une recharge ne soit nécessaire. Elle est calculée en permanence en fonction du style de conduite, des conditions de fonctionnement et de la charge disponible de la batterie. L'autonomie variera chaque fois que le véhicule est complètement chargé sur la base de la consommation d'énergie moyenne réelle depuis la dernière sortie du véhicule. L'autonomie du véhicule peut être moindre à des températures inférieures à moins 20 degrés Celsius. L'indicateur de consommation énergétique affiche la consommation électrique du moteur de traction et la puissance de freinage à récupération d'énergie fournie à la batterie au lithium-ion. Cette partie éclairée en blanc se déplace vers la gauche ou la droite selon la demande. Lorsqu'elle se déplace vers la droite, le moteur de traction est alimenté et la batterie au lithium-ion se décharge. Lorsqu'elle se déplace vers la gauche, l'énergie est générée et fournie à la batterie au lithium-ion par le système de freinage à récupération d'énergie. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.